Tu me dis, eh ben voilà, on va faire celui-là. Et salut à tous, c'est Exerm. On se retrouve ce soir pour la 11e de Zelda. Et effectivement, comme le demande Foz, j'ai vraiment trouvé ça cool le domaine Zora. Je pense que j'ai pas terminé parce que là j'ai récupéré plein de petites quêtes annexes. Donc je pense qu'on va peut-être se faire une session ce soir de quêtes annexes qui sont possibles à faire. J'ai notamment une épée toute pourrie à montrer à un gamin à l'autre bout du monde. Je vais d'ailleurs commencer par ça, parce que j'avais dit qu'il fallait que je commence par ça. C'est tellement cool de pouvoir se téléporter comme ça. Y a Dystopie qui essaye de faire un test sur sa durée de vie sur le chat, à se moquer des modos. Bref, bah écoutez, j'espère que ça va, vous, sur le chat. Moi, tout va bien. Très content de pouvoir bien continuer Zelda, de voir qu'après une dizaine de vidéos, je suis loin, très très loin d'être lassé. Alors attention les conseils comme ça, Bart, parce que forcément, c'est toujours important de bien tout fouiller. Mais c'est valable n'importe où, quoi. Dans un jeu comme ça. Enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de rubis dans les pots, hein. Alors, j'ai un gamin à trouver qui doit être dans le coin. Le problème, c'est qu'à mon avis, le gamin doit dormir. Ça paraît très logique, hein. Là-bas. Merde, il y a Julia qui se met à troller Vinoc par les dons. Je ne peux plus rien pour toi. Ah, salut Stinir. Stinir, pardon. Est-ce que t'as trouvé toutes les poules? Non, tiens. Effectivement, j'ai pas fini cette histoire de poules. Quel c'est des deux gamins? Eret, c'est le petit gamin Eret. Epidoc qui vient de s'abonner. Je pense qu'il y a Cortex qui est en train de créer des doubles et des triples et des quadruples comptes. Et qui sait plus quoi faire. Alors, comment on fait pour réveiller quelqu'un? Ah, on ne peut pas. Mince. Ça, c'est dommage. Va falloir que j'attende, alors. Je peux faire du feu à l'intérieur d'une maison. Je peux. Et oh, il est 5h là, on se réveille, hein.
Ah mais du coup faut que je rallume le feu. Non, ce que je vais faire c'est que je vais me balader dans le village puis il va se réveiller après naturellement. Tiens, il y a une autre maison là-bas derrière. Je vais aller la fouiller. Ok, attends, c'est cool, elle m'offre des œufs. Il y a des vrais poulaillers. Eh ben. Ah oui, Lou Gris, tu as pris une très bonne décision. Félicitations. Donner un cookie à cet homme. Putain, les enfants qui dorment. Alors qu'il est quelle heure? Il est. Ah, il est 6h du matin quand même. Hein. Cela dit, ça peut être intéressant de faire une espèce de d'étude scientifique pour savoir à quelle heure il se lève. Alors on voit bien que tu sais pas de quoi tu parles, Lodzeta. Ah ah! Ah non, c'est un pot. Putain! Oh, mais oui, je peux faire ça avec les cocottes. Ça y est, j'ai trouvé comment résoudre le mystère de la cocotte perdue. Attends. On va en prendre une qui est en plein soleil, ça sera plus joli. Fais-moi un petit sourire. Attends, parce que là, je suis sur la photo. Non. Bah voilà, comme elle est belle. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser le détecteur de cocotte. Comme ça, je vais savoir comment ça se passe. Ah, mince. Bon, bah sinon j'essaierai juste de faire... Salut l'Égyptien Max. Ah bah voilà. Une baguette de feu. Ah non, ça j'avais pas. Ok. Bon bah très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Déployer ses pouvoirs. 3 vis antiques. 3 arbres antiques, 3 cœurs. J'en ai combien de ça? J'en ai 3. Et j'ai 2 cœurs. Donc je peux quand même améliorer un truc.
Ah, je vais pouvoir améliorer les bombes. En fait, je fais des petites quêtes là à Cortex. C'est pour ça, je suis revenu ici. Je faisais ma quête où il fallait que je montre l'épée. Et là, je vais améliorer mes bombes. Donc j'imagine qu'ils vont avoir une plus grande aire d'effet ou plus de dégâts. D'accord, donc j'ai des bombes plus maintenant. J'espère qu'elle va me dire à quoi ça sert. Bon, alors. Ça, c'est une bonne chose. Les cocottes perdues. C'est vrai qu'il faudrait que j'essaye de faire ça. Il y a de la vie sur les docks. Mais c'est qui ce Vidoc? Je pense qu'il y a quelqu'un qui te troll, Vinoc. Ciao Romolinaro, bonne soirée. Ouais, quand tu dois commencer à expliquer tes jeux de mots Cortex, c'est qu'il y a un problème. Voyons voir ce que ça donne. Avec les cocottes. Et une cocotte par là. Ah mince, je me fais virer. Mince, il m'avait trouvé une cocotte par là. Ah non, en fait, je crois qu'il va m'indiquer simplement où sont les grosses cocottes. Ouais, c'est ça, il m'indique où sont les cocottes. Ah, il m'en reste qu'une à trouver. Bah oui, elle est où la poulette? Ok. Alors, où c'est qu'il pourrait rester une poule? Bah ça, il m'en reste qu'une. Ça pourrait être pire. Hein. Alors, il y a des champignons ici.
Ah ouais, c'est une quête. Et ouais, effectivement, comme c'est la dernière qui manque, je vais pas réussir à la trouver. Voilà, je vais dans la bonne direction, mais en même temps, tout à fait Graou. C'est que pourrait y avoir une poulette. Seul le pénitent pourra le trouver, bah ouais. Salut Mathéo. Ah, un marteau. Moi j'en avais besoin. Alors les toits j'ai déjà fait. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une cachée genre dans le poulailler ou un truc comme ça, non? Je sais pas s'ils sont assez, assez bizarres pour faire ça. Genre il y a une poulette là-haut, non? Ouais, ça s'améliore hein, la limitation des armes. Attends, je vais remonter vers le haut du village parce que je l'ai pas fait. Ah, là voilà. Ah bah super. Ça y est, j'ai trouvé. Tout à fait Nécros, ça tue, toujours. Regarde, j'ai trouvé des poules. Ok, alors, ça y est, ça avance. Cœur à la dérive. Chercher les gemmes Nox, les pierres de mémoire. Ah oui, les domaines Zora, la pluie de grenouilles. À quoi ressemble l'Inel? Tiens, on va faire ça. Je vais aller le prendre en photo. Quoique, attends, je peux aussi aller plus rapidement. Ici, là, dans la voie de l'Anel. Ah, mais en fait, je peux pas trop me téléporter. Est-ce qu'il y a le mont de la foudre, là? Bon, je vais aller au village Zora, puis je vais aller faire une photo du Linel, ça va m'occuper.
Ah, je suis loin d'avoir tout découvert encore, Julien. J'ai dû faire que 3 ou 4 tours, il doit y en avoir une dizaine. Ah non, bah c'est sûr que les quêtes annexes, elles vont pas me rapporter des quarts de cœur. Hein. À mon avis, ça va être que des ingrédients de craft ou éventuellement des rubis, quoi. Mais bon. Par là, hein. Ouais. Point du risque tout, monde de la foudre. Voilà, c'est ça. Il y a un sacré pont là-haut, là. Salut H. Ah bah je vais pouvoir repris l'Odnir alors, mais c'est très bien ça. Ah, il est cool mon éléphant quand même. Ah, le pont c'était pour le lac, d'accord. Ah bah je veux qu'il ait du charme, c'est fou hein. Parce que ça c'est des évolutions auxquelles tu t'attendais pas du tout quoi. Ah ouais, c'est une capacité qui m'est filée par une tenue. Qu'il est ce con. C'est bon. Et maintenant, Castor. Cette photo. Je la garde.
protégerai. C'est ça, reportage de l'extrême. Salut Art. Rien à rien à récupérer. Oups. Ah bah écoute, bonnes vacances à toi. Cette photo. Ah, vitesse de nage. Putain, ça valait le coup de faire ça alors. Bah c'est super. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Les pierres de mémoire, la pluie de grenouille, les gemmes nox. Ah oui, tiens, je peux essayer de faire ça. Où est-ce qu'elle est? Sur les berges de l'Azura. Là qu'il y a. Eh ben, on va aller là-bas. Au lac qu'il y a? Ici? Non. Bah, on va y aller alors. On va essayer de faire ça. Vous parlez de quoi là? Parler de pièces de viande? Ah, vous parlez de pièces rares. ça déchire et ça défonce. Ah, les deux en même temps. C'est cool les cœurs bonus là. Donc ça c'est le lac j'imagine. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller voir dans le lac. Ah t'es bouché, même je savais pas. Ah la baguette de feu, c'est lui qui va l'avoir.
Voilà. Non. Toujours un emplacement en trop là, c'est relou. Moi, je virais un Ushigatana, tant pis. Hein. Ils ont nom de la vie. Ciao, Julien. Ok, alors. Oh! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ah ouais. Tellement photo. C'est un machin électrique en plus. Et il va m'attaquer là, on est d'accord, hein. Putain, c'est Shiryu quoi. What? Merde, j'ai. Non! Attends. Où c'est que j'ai des pièces en métal? Ah ouais, donc je peux vraiment pas me balader avec ne serait-ce que une épée. Adieu. Eh ben. Et il va falloir que je trouve quelqu'un dans Slack. Ça a l'air bien. Ah ouais, c'était... Merde. On va aller plutôt ici et on va essayer. Ah ouais non mais c'est fou alors. Tu vas voir les quand il pleut par exemple, tu peux moins facilement grimper sur les cailloux parce qu'ils glissent. J'espère au moins qu'il m'a gardé mes jambières, parce que je les vois plus.
Ouais, si, c'est bon. Ah, ma baguette de feu, il l'a plus. Merde. Tu es un foudre de guerre. Merci Cortex. Ah ouais, le marteau, ça va vachement mieux pour les... pour les minerais. Ah ouais, j'ai perdu la photo aussi, mince. Je suis sûr qu'il faut jeter un truc là, c'est pas possible. Mais d'abord, je cherche une nana, hein, c'est ça. Ouais, bon, je sais pas si je vais continuer ça pendant très longtemps. Ça m'a l'air d'être un peu bourrin. Non, c'est pas spécialement varié les armes au niveau du moveset, mais c'est pas vraiment ça qui compte parce qu'en fait, t'as tellement de possibilités pour combattre que, en fait, t'es pas obligé d'utiliser tes armes. Si Eva. Ah, il y a un sanctuaire là-bas. Ah, il me dit quels sont les éléments qui peuvent me tuer. Putain, ah, c'est la vraie foudre. Hein. Alors, le viaduc d'Ilia, et là-bas, il y a l'île d'Ilia. C'est peut-être ça, là.
Je veux pas le tuer lui en fait. Je veux juste trouver quelqu'un. Non, non, mon bouclier il est en bois. La photo. Ah bah oui, c'est vrai ça. Alors je sais pas ce que c'est, Rordrak, mais je suppose que je pourrais soit le tuer, soit lui faire un truc un jour. Je l'ai trouvé. Oh, ce miracle. Cette chance. Bah, je fais pareil, je me casse. Eh ben, c'est un peu effrayant quand même ce truc. Ouais, donc j'imagine qu'à haut niveau, on croise des machins aussi costauds que ça, tu fais... Ah ouais, d'accord. Non, ça rame quand t'es en ville, surtout Dracarys. C'était juste ça. Bon, bah tout ça en... Ah oui, les pierres de mémoire. Ah ouais, mais ça, c'est dans tout le domaine Zora. Ça va être chiant comme quête. Parce que je peux pas les prendre en photo pour les chercher. Alors, bah écoutez, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Il y avait un sanctuaire vénère là-bas. Tiens, je pourrais essayer de le faire. On va essayer de faire un peu de baston là. Oui, je pourrais essayer d'aller récupérer la baguette de feu aussi, c'est pas bête. Mais bon, après, je pense que le gamin va me demander encore 12 000 armes. Parce que comment ça parle de bouffe à côté? Sur le chat, ils sont complètement partis là. Il y en a qui disent, tu veux des sneakers? Ok.
Tellurore. Enfin, re, du coup. Ça va toujours. Ok. C'était bien. Ouais, je vais essayer de le prendre en photo. Ça va vraiment être au millimètre près. Hein. Bah, je réessaye une dernière. Je peux essayer peut-être avec la lance. Ça marche pas. Ah zut. Mince. C'était pas ça. Attends, je vais manquer de...
Putain, ça marche. Oh non. Oh, je pensais qu'il n'y aurait qu'un laser. Dégoûté. Eh ben. Salut à elle, Julien. J'espère que ça va. Ah, je savais pas. Je savais pas ça. Je le découvre. Bon, on va essayer de parer les lasers, ouais. Et Sig. Oh, pff, mince, je regardais pas le... Bon anniversaire à toi. Oui, oui, Amazon Prime, ça fait un petit peu... Ça fait moins que les abonnements classiques, mais c'est toujours apprécié, donc ne t'inquiète pas. Merci à toi. Bon. Et j'y étais presque. Fuck.
Tu crois que Link qui roule sa bosse? Ouais, tu la connais déjà celle-là, Cortex, on l'a déjà faite. Je devrais me faire des repas qui. Des remèdes qui filent de la. Ça va le faire. Ah ouais. Hey Sig, comme ça fait un peu plus. Oh bah merci beaucoup. Un peu de rien pour le Discord. C'est avec grand plaisir. Ouais, c'est pas faux ça. Classe les armes. Hop. Comment on fait pour les classer? Ça, c'est par type.
Je ramasse pas ses parts. Bah si, je l'ai fait, non? Ah non, j'ai oublié. Oups. Oh, il y a même pas eu de cœur. Je suis dégoûté. Truc de ouf. Vitesse d'escalade augmentée. Ah, ça valait le coup, hein. Franchement, ça valait le coup de s'accrocher. Et du coup, je suppose que je peux refaire en fait ça en boucle parce que l'ennemi doit réapparaître à chaque fois que je reviens. Et ben, putain, quand tu vois la quantité de dégâts qu'il faut avec une arme qui fait 50. Alors soit il y a des techniques plus tard que je vais apprendre, soit il faut vraiment que je pense à me faire des potions qui augmentent les dégâts parce que là avec l'arc, franchement, ça le faisait. Hein. Easy. Ça je l'ai fait je crois. Ah oui non ça c'est la course. Non non ça m'intéresse pas. Ok. Alors. Ah non ça on peut pas escalader. Je suis tout en bas sur la map là. Là, il y a une tour. Ah, je l'ai fait celui-là, les 5 flammes. Ouais, je l'avais fait ce sanctuaire. L'épreuve basique de force, ça, je l'ai fait. Où c'est que je vais aller? Parce que le lac, là, c'est le bordel. Le sanctuaire de Fuamodai. Ça, bon, je les ai tous fait, ceux-là. La plaine d'Hyrule, c'est à côté du château, c'est le bazar. Étendue de l'Ars, mais ça je l'ai fait en fait. Ah, ici il y avait un... Il y avait un cyclope, je crois. La balise bleue, c'était un sanctuaire. Non, non, mais c'est que je réfléchis à ce que je vais faire au niveau des quêtes, tout ça, parce que j'ai les créatures, j'ai les souvenirs. Bon, je vais avancer les créatures à la rigueur. Ça va m'amener où, ça? Tout là-bas. Tout là-bas. Tout là-bas. On va faire ça là? On va aller faire celle-là. À mon avis, j'ai pas le niveau. Je pense qu'il vaut mieux aller faire celle-là d'abord. On va revenir à la tour ici. Hop. Non, non, c'est pas la peine, Bart. Je vais aller me perdre, je pense. Je vais continuer encore un petit peu, mais je vais pas faire une deuxième VOD ce soir parce que je suis fatigué, je vais pas trop tarder à aller me coucher. Je pense que je vais jouer encore un petit quart d'heure, 20 minutes. On va essayer de commencer de se rapprocher d'une destination parce que là, c'était pas évident quand même. Les balises colorées, c'est moi qui les ai placées en fait. C'était une tour, je crois, et un sanctuaire de mémoire. Ça doit être la tour que tu vois là-bas en haut à droite. Ouais, tu vois, regarde. Tiens, bah, regarde, il y a un sanctuaire là. Et en plus, à côté, il y a un relais. Ah bah je vais aller là-bas. Donc il faut que je prenne la route qui est en bas ici. Ok.
Faut que je teste ma tenue d'escalade. Putain, bah ça va être parfait ça. Ah, ça se sent bien la différence quand même. Hein. Putain, vivement que je trouve tout le set. Non, ça me gêne pas tant que ça. Moi, ce qui me gêne finalement, c'est la taille de l'inventaire. Il faut que j'arrive à l'augmenter. Ah, mais me dites pas qu'il y avait une île plus loin. Du coup, j'ai pas envie de. On ira faire ça une autre fois. De toute façon, j'ai tellement de trucs à découvrir, honnêtement. Attends, on dirait que j'avais 70 ou je sais pas combien de flèches. Ah, t'avais pas vu les renards encore. Attends, j'ai plus de flèches de feu. En plus, je jette mes flèches dans le vide. Ah, j'ai déjà pris en photo le renard. Il me semble. Allez, on va se la péter un peu. Boomerang, c'est pas mal quand même. Il passait où son boomerang? J'aurais bien voulu son petit boomerang. C'est pas grave. Bon alors pourquoi des mecs s'installaient aussi proche de bombes explosives, je ne saurais jamais, mais bon c'est comme ça. De toute façon, on a perdu le chat à nouveau. Team au chocolat. Non, team chocolatine. Des libellules au piment, d'accord. C'est pas grave. Je peux grimper sur une
Il y a des autruches. Triss, et c'est tout. Oh putain, ah ça y est, vous êtes partis là sur les teams. Hein. J'avais même pas vu passer Vinok et Julien. Même pas, tu dis merci. Ah, faut que je les sauve tous, d'accord. Eh ben. Tu sens quand même bien la progression. Team Oliviette. Bon, je vais voir à quoi ça ressemble ici. Je gaspille mes flèches si ça m'amuse. Ah, j'ai oublié la photo. C'est pas grave. Je le reverrai, je le retrouverai. Il y a trop de trucs à faire. Parce qu'après tu commences à partir à vouloir tout photographier et t'as jamais fini. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici? Bon.
J'ai jamais assez de place. C'est ça qui est fatigant. Bon, de toute façon, j'aime pas trop les épées à deux mains. J'avais pas attendu le cooldown. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ça marche. Eh ben, ça fonctionne bien. I have balls of tears. Ouais, ça pourrait fonctionner. Ok, eh bien écoutez. Une bonne chose de faite. C'est pour quand même ces techniques complètement improvisées qui fonctionnent. Tu te dis, ah tiens, je peux peut-être essayer un truc, et là, boum, ça fonctionne. Ah, le village Goron, c'est par là?
Bah, je vais en prendre 3 alors. Cool. Ah bah, je vais aller me diriger vers les Gorons. Bah, c'est une bonne idée d'aller faire ça, je pense. Du coup, j'aurai peut-être une tenue qui me permet de résister au feu. C'est qui lui? C'est un oiseau? Salut. Un piaf. Ah, c'est des piafs, eux. D'accord. Est-ce que tu connais les vieux chants? Bon, bon, allez, on va écouter une chanson. C'est bien pour finir une vidéo, ça. Ouais, j'avance un peu la quête principale, là. En fait, je me rends compte que c'est vraiment important au niveau des équipements et tout ça, donc ça va vachement m'aider. Pas terrible ta chanson. Bon, en fait, je m'en fous. Je croyais que c'était une vraie chanson. Bah, je sais pas, au niveau des armes, si elles tiennent très longtemps, les armes du gardien là. Putain, c'est cool ça, c'est quoi? 18, non, c'est pas si ouf que ça. Ok, bon, tout le monde est très fatigué sur le chat de toute façon, donc on va aller se coucher tranquillement. Tiens, je vais tester une nuit dans un hôtel, j'ai jamais fait encore. Il faudra que je cuisine, je vais en profiter pour essayer de faire des trucs. Bon, je te verrai plus tard, toi. Ah oui, j'ai un cœur supplémentaire, cool. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on en a terminé pardon, pour cette 11e vidéo. Donc, effectivement, j'avance un peu sur la quête principale. A priori, le village des Gorons, ça doit être par là. Donc, je vais essayer d'y aller. Peut-être je vais essayer d'aller faire les tours aussi. Ouais, la cuisine, j'en ai pas trop fait. Donc, je pense que la prochaine grosse vidéo, ça sera de la cuisine. Je vais essayer de commencer à faire des trucs. Il faudrait que j'essaye aussi de trouver des ingrédients lame. Qui me permettent d'augmenter mes dégâts, comme ça je pourrais essayer de refaire les machins extrêmes là pour choper des trucs. Et puis j'ai quand même réussi à tuer un gros monstre, donc ça me rassure, parce que j'aurais bien envie d'essayer le Dinel la prochaine fois. Quand j'aurai peut-être assez d'armes cool, hein, je pourrais essayer de le faire, hein. Ça sera intéressant. Bref, comme d'hab, merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout sur Twitch, puis bah, pour les gens de YouTube, comme d'habitude, merci de suivre cette longue série de VOD, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.